Bonjour! Comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, ma relation avec les gars, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui n'est pas tout à fait à point. Récemment, je me suis rendu compte pourquoi. Parce que dans la vie, là, c'est toute une question de texte et de sous-texte. Je me suis rendu compte que je suis bonne pour livrer des textes, mais pas pour livrer les sous-textes que j'aimerais que les gens comprennent. Moi, ils comprennent des sous-textes genre un peu bizarres. Par exemple, donc, il y a un gars que je trouve cute, parfait. Tu sais, on va plugger genre, t'as-tu une blonde, mais tu sais, de manière un peu subtile pour savoir s'il est célibataire ou pas. Ouais, tu pourrais peut-être utiliser ça pour, je sais pas, faire une soirée avec ta blonde? Ouais, non, je suis célibataire. T'es célibataire? Yes! Non, mais je suis sûre que ça va pas durer longtemps, ton célibat, là. Ce que j'aimerais qu'ils comprennent, t'es célibataire? C'est parce que, genre, moi aussi, puis je sais pas, t'es-tu occupé ce soir? Ça te tenterait-tu? Je sais pas, tu pourrais peut-être prendre mon numéro, tu pourrais peut-être me rappeler, je sais pas. Je te le dis, là, je te trouve de mon goût, là, je te l'avoue, là. Mais ce qu'il doit probablement comprendre, c'est plus genre, ouais, t'es célibataire. Non, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre bientôt, là. C'est juste, ça va pas être moi, tu sais, c'est tout, là. Viens, compte-toi, là. Fait que, bref. Je suis pas bonne pour donner des textes. C'est ça le problème.